Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce lundi 14 mars. C'est Jérémy Delsol pour votre émission Bonjour CAC 40 et DAX 40 avec Admirals. Il est 8h30. J'espère que tout le monde va être bien. Tout le monde a passé un excellent week-end. On va se pencher sur le site et je vais venir rapidement vous dire bonjour sur le chat, bien évidemment. Alors, déjà, je vous rappelle, dans 8 jours, 11h28 minutes et quelques secondes, vous avez du coup notre prochain webinaire, les astuces du Tech Profit en trading. Je vous repartage le lien ici pour vous y inscrire. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, pour qu'on puisse parler live de ce sujet super important qui détermine aussi votre taux de réussite, vos profits, etc. en trading. Alors, je vous partage également ici l'idée trading de la semaine dernière. C'était sur le pétrole et du coup, je vous partage l'article si jamais vous ne l'avez pas vu. C'est dans l'actualité des marchés depuis le site Admirals également ici en partage. Je vous partage également l'actualité plus générale, hein, clairement dans la partie à propos actualité. On retrouve ici, pardon. Du coup, les changements d'horaire pour les 2 semaines à venir du côté US, donc je vous repartage ça aussi à garder à l'esprit. Votre séance US cet après-midi ne démarrera pas à du coup 15h30 comme d'habitude, mais plutôt à 14h30. Donc attention, pendant 2 semaines, décalage d'une heure sur ces horaires de bourse côté américain. Ça va jouer aussi bien sûr sur l'horaire sur lequel on se retrouve cette semaine en ce qui concerne la conférence de... L'intervention aussi de Jérôme Powell et les taux attendus du coup mercredi soir. Ce ne sera pas du coup à 20h, ce sera plutôt à 19h et du coup l'intervention de Jérôme Powell à 19h30, etc. Donc décalé d'une heure, attention, on n'oublie pas ça. Allez, on se penche sur le calendrier économique pour aujourd'hui. Je vais juste l'actualiser rapidement et on va regarder ce qui nous propose. Mais normalement, pas grand-chose. Voilà, on a eu des petites publications déjà attendues à 8h ce matin du côté de l'Allemagne. La balance commerciale française dans moins d'un quart d'heure. On va avoir les prévisions économiques du côté du CHF, donc du côté de la Suisse, en moins d'une demi-heure. Pas grand-chose d'autre, hein. Clairement, vous le voyez au cours de cette journée. Pardon. Donc, de point de vue du calendrier, ce matin, on n'aura pas de petites publications à voir venir dans notre séance. Donc, on va se pencher directement sur les graphes et faire comme d'habitude, bien sûr. J'arrive sur le chat et je vous salue tous. Alaska qui nous dit du coup, je suis le Trader Master. Bienvenue à toi, Alaska. Kennedy qui nous disait bonjour, Jérémy. Bonjour à tous. Bon début de semaine et du coup, bon trade. La famille, bienvenue à toi, Kennedy. Ça fait plaisir. Merci à toi aussi. Très bon début de semaine et excellente séance aussi. Philippe qui nous dit bonjour, Jérémy. Bonjour à tous. Pouce bleu, merci beaucoup. Bienvenue à toi Philippe, j'espère que tu vas bien aussi. Michel, Makosi, Damien, Sylvie, Michel, Prince, Antonio également. On avait aussi Zaraki et Florian qui nous disaient bonjour à tous, bienvenue à vous tous. Un grand plaisir de vous retrouver ce matin. J'espère que vous avez la forme et que le week-end a été bon. Alors, on se penche sur les graphiques. On va déjà démarrer avec le JP225. Toujours sous les 26 250 points ici, donc toujours dans sa tendance baissière et limité par rapport à une zone support S1 cassée. Quand je dis une zone support S1 cassée, ça veut dire que désormais, cette zone fait office de résistance puisque une zone support cassée se trouve ensuite, dans un premier temps en tout cas, résistance sur le marché. C'est le principe qu'on suit bien évidemment pour étudier les structures. Alors, ici, on a toujours un range, hein, qui s'établit entre les 25 650 et les 25 275. On évolue toujours à l'intérieur de ce range. Si je remets les points pivots en place ici, la borne basse se trouve en être, bien sûr, le point pivot du jour, la borne haute non loin de la résistance R1. Donc là, en termes de séance, ce qu'on a eu, c'est de la hausse et de la récupération. En fait, on va nulle part du coup cette nuit, hein, du côté de la bourse asiatique, en fait, un peu en pleine indécision. Et on va en parler aussi, bien évidemment, en se dirigeant sur le graphique du DAX 40. Alors, on a quelques espoirs en ce qui concerne du coup l'Ukraine avec la Russie, puisqu'il y a des négociations qui se mettent en place. On a notamment du coup les deux représentants qui nous font des retours relativement positif, hein, des discussions qui tombent sur un constat, hein, c'est ce qu'ils ont appelé un constat positif, du coup, en vue de mettre fin à ce conflit armé sur le territoire, alors qu'il y a quand même, bien sûr, encore beaucoup d'activités au sol, malheureusement, et beaucoup de confrontations qui durent. Donc, on va voir ici, dans très peu de temps, on a des prochaines négociations qui sont prévues en visioconférence. Donc, ça, c'est l'actualité à suivre aussi en temps réel, puisque on va avoir des nouvelles, si c'est des nouvelles rassurantes sur peut-être prochainement une fin bien sûr de ce conflit, les marchés qui seront d'autant plus bien sûr rassurés. Donc on a aussi cette semaine pas mal de choses qui vont arriver, je vous le disais, hein, la réunion de la Fed du coup attendue mercredi. Il n'y aura pas que ça, il y aura aussi du côté du Royaume-Uni, du côté du Japon, du coup des décisions qui seront prises. Du côté de la Fed, du coup on devrait avoir une première série de hausses des taux, hein, qui seront attendues. Il faut savoir que l'inflation est à son plus haut niveau depuis 40 ans. Du côté de l'Europe, on a la Banque d'Angleterre qui devrait aussi augmenter une nouvelle fois du coup jeudi son taux directeur. Du côté de la zone, on a vu que la BCE attendait pour le changement du taux.
et notamment de mesurer bien l'impact du conflit ukrainien. La Banque de France qui estime d'ailleurs que le conflit du coup aura des répercussions sur le prix bien sûr des matières premières, on le sait déjà et on le voit déjà, mais que ça va amputer potentiellement de 2 points la croissance du coup du pays, tout en dopant bien sûr de l'autre côté malheureusement l'inflation. Donc voilà le petit contexte ici par rapport à tout ça. On va voir si les marchés, et on va voir notamment si on a tous bientôt une bonne nouvelle par rapport à ce conflit-là, ou si ça va du coup quand même durer, et si on a des mauvaises nouvelles, ça pourrait même empirer la situation. Alors on passe enfin sur le DAX 40. D'un point de vue graphique, on est sous les 14 000, niveau clé psychologique, résistance majeure pour ma part journalière. On se dirige de plus en plus vers ce niveau-là après des séances de récupération, une séance de baisse, une séance d'hésitation. Pour l'instant, ce matin, ça veut retourner sur la zone des 14 000 d'un point de vue daily. Attention, pour moi, on est toujours clairement, vous le savez, dans une tendance baissière. Quand on se penche sur le graphique horaire, on va rajouter aussi, hein, bien sûr, les points pivots, mais on s'aperçoit d'une zone de consolidation plus large. On a une zone des 13 850, d'ailleurs résistance qui est en train d'être cassée pour se diriger sur la R1 possible du jour et notamment ces fameux 14 000 points. Alors, on voit qu'on a un test ici, un autre ici. On pourrait très certainement avoir un prochain test, peut-être même ce matin, suite à l'open, hein. Mais en tout cas, on peut voir plusieurs choses ici. Une zone de consolidation comme celle-ci, si on veut pousser avec la cassure, on peut l'élargir puisqu'on aura aussi, et on a déjà les 2 points minimum qui sont nécessaires pour voir qu'un niveau est résistance. Donc là, attention au troisième test ce matin. On passe à court terme du coup les 13 850 pour se diriger sur un petit scénario de hausse possible si ça dure. Attention suite à l'open aussi. Si on n'arrive pas à continuer cette hausse, on pourrait réintégrer sous les 13 850, revenir chercher le test du point pivot et les 13 650. Et en cas de cassure, on a une zone support S1 et notamment les 13 350 points. Donc vous l'avez compris, ce matin, tout tourne autour des 13 800, soit pour maintenir ce break qui est en train de se faire, soit pour marquer une réintégration et chercher des creux précédents et le point pivot du jour. Grosso modo, c'est ça, mais de toute façon, on va voir bien sûr le tout en temps réel et ensemble. Alors voilà, le break qui est en train de se faire pour l'instant, ça monte un petit peu ici tranquillement, mais ça manque ici de conviction pour avoir une vraie tendance. Le petit graphique à main qui lui commence à partir pour le coup en tendance sur le DAX. On va partir sur le CAC 40. Un CAC 40 qui est réussi à repartir au-dessus des 6 300 légèrement pour l'instant. D'ailleurs, je vais remettre ce niveau-là up rapidement en support puisqu'on est reparti au-dessus. Mais c'est aussi une phase de respiration. Pour l'instant, ce n'est en rien du coup un retournement de tendance. C'est un petit peu tôt pour parler de retournement de tendance. Et on a un petit peu le même contexte. Je vous ai mis un niveau ici autour des 6 350 qui tend d'être cassé. On a un gap haussier d'ailleurs ici. Et de l'autre côté, une belle zone de support avec les 6 150 points qui faisaient ici office de support, résistance, etc. Donc pareil, si on arrive à casser ici, attention au test des 2 sommets précédents qui en soi vont aussi représenter une zone et on va en parler bien sûr et on va la placer rapidement ensemble. Déjà, je vais vouloir voilà qu'elle soit visible cette zone que sur mes graphiques horaires et on va la placer ici sur les du coup 6 450 points sur ces 2 sommets en ligne de mire si on arrive à breaker. Attention, donc les scénarios pour moi qui tournent clairement également ici autour des 6 350, soit pour un break direction les 6 450 points, soit pour un rejet et notamment un test des 6 300 avant la zone support S1 mensuel, les creux précédents et pourquoi pas même les 6 150 points. On va partir aussi sur du M5. Début de petite tendance haussière sur l'équivalence M5, justement ici, à l'aide du système. On a ce gap ici important. On verra si on a, en cas de cassure, justement, du creux précédent et notamment des 6 300, un comblement de gap, scénario, pourquoi pas, possible en place. On fera attention déjà avec la zone support S1 qui a marqué structure dans le passé. On regarde aussi la bourse britannique. Je vous ai clarifié un peu ces graphiques-là en vous mettant une zone résistance majeure journalière, les 7 200 points à l'heure actuelle en plein test justement sur le FTSE 100 dans sa phase de respiration. On a ici de grosses impulsions baissières, de la respiration, de l'impulsion baissière, de la respiration. Donc respiration slash bien sûr retracement, hein, c'est un autre mot, un autre terme pour en parler. Mais pour l'instant, voilà, ce n'est qu'une respiration dans une tendance baissière journalière selon du coup ce suivi tendance du prix. Alors pareil ici, je vais quand même vous rajouter ce niveau-là puisque ça va être un petit peu le même principe. On va regarder quel niveau ça nous donne. Est-ce que ça peut pas donner les 7 250 points pile poil ici? On va avoir un scénario sur le FTSE 100 pour ma part ce matin qui va être clairement fonction. Alors on va rajouter tout ça. Voilà, fonction pardon des 7 200 points. Donc pareil, si la résistance se tient, on a un rejet possiblement test du point pivot et du creux précédent. Si le breakout arrive avec l'open, on pourrait se diriger rapidement sur une résistance R1 du jour et notamment les 7 250 points. C'est aussi simple que ça et en même temps si on casse le point pivot on a des creux précédents à regarder et notamment cette zone 7050, belle zone support aussi.
Du coup, on va quand même, pardon, descendre sur du M5 et je vais vous montrer quand même ici aussi ce qu'il en est. Donc voilà, pour l'instant, on est du coup dans une phase de hausse, hein, on fait des sommets, des creux de plus en plus haut ici sur un travail des 7250. Pour le moment, j'ai mon système qui m'indique déjà la tendance haussière possible. Mais ça, c'est l'avant du coup open. Comme vous savez, j'aime pas trader juste avant l'open. Je préfère attendre de voir justement la réaction du cours vis-à-vis de l'open. En plus, les conditions et les spreads sont bien meilleurs suite à l'open. Donc, je vais attendre ce genre de choses-là. Avant de partir sur les marchés américains, je vais revenir sur le chat ici, continuer de saluer tout le monde. Frédéric qui nous dit salut Jérémy, salut à tous, bienvenue à toi Frédéric aussi. Étudiant qui nous dit bonjour à tous, bonjour Jérémy, bienvenue à toi aussi, étudiant. Et Michel D qui nous dit bonjour Jérémy, bonjour à tous. Bienvenue aussi à toi Michel. Florian qui nous disait salut Jérém, bonjour le chat, bienvenue à toi Florian aussi. On a aussi Mister Momo Bob qui nous disait salut à tous, bon courage et bon trade. Merci à toi Jérémy, avec grand plaisir, bienvenue à toi et bon trade également. Ludovic également qui est avec nous, bienvenue à toi aussi. Zaraki qui nous dit petite question concernant l'effet de levier. Est-ce que la valeur du pip change avec l'effet de levier par exemple? Je vois ce que tu veux dire. Non, en fait, ce qui change, si tu veux, c'est ta capacité à trader plus ou moins un certain nombre de lots en fonction de ton capital de départ et de ta marge disponible, etc. Tu vois ce que je veux dire? La valeur de 1 point quand tu utilises le même nombre de lots ne va pas changer. Toi qui nous dis bonjour Jérémy, je n'arrive pas à voir la partie complètement à droite sur les différents réglages. Ah, tu veux dire le mini terminal? Alors ça c'est bizarre puisque du coup il est en plein sur l'écran. J'ai le retour écran sur un autre écran à moi justement. Donc fais plein écran sur la fenêtre YouTube. Normalement tu devrais voir ça. Alors si ah sinon tu veux dire que tu n'arrives peut-être pas à afficher ces petites choses-là. Alors tu vas dans la roulette bleue et tu regardes ce que tu veux cocher et rajouter. Moi j'en ai laissé que deux, c'est très simple, mais vous pouvez cocher plus de choses que ça. Florent qui nous dit du coup le CAC c'est devenu une crypto, voilà la volatilité, l'amplitude des corrections. Pas mal, pas mal. Donc il nous dit la partie où il y a des informations, compte chart contrôle. Du coup tu vas dans la sur la petite roulette bleue et tu vas cocher ce que tu veux. Moi j'ai laissé, alors je pourrais même aller cocher. Tiens, calcul, hop. Ça je pourrais vous montrer ça aussi ici. C'est ce que je fais en plus rapide avec la touche CTRL, hein, clairement, du clavier, mais si tu veux, je peux te laisser ça. Soraya qui nous dit bonjour à tous et bon train, merci, bienvenue à toi Soraya aussi. Laurent également, Zaraki qui nous dit merci Jérémy, je t'en prie. Zaraki. Paul qui nous dit bonjour à tous aussi et toi qui nous dit du coup, oui, c'est ça. Donc voilà, parfait, dis-moi si ça fonctionne pour toi. Farid aussi qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Farid. Allez, on va continuer ici du coup sur le S&P 500. Alors ce S&P 500 justement ici, il est en tendance baissière, mais on a commencé à avoir de plus en plus de mal. On a pour l'instant maintenu une zone support, non loin d'ailleurs de la zone support mensuelle S1, puisqu'on a un test, on a deux tests, et pour l'instant on a quand même des sommets de plus en plus bas. Donc on rentre potentiellement, attention, dans une phase de consolidation. Du côté du marché ici américain, d'un point de vue horaire en tout cas, je vous ai mis deux zones, tout simplement, on va rajouter hop, ça ici. Est-ce qu'on a, c'est une zone support avec les deux derniers tests du moment, même les trois, sur les 4210, une zone résistance avec des tests équivalents aussi sur les 4240 points. Juste au-dessus, à titre de sécurité, attention au poids pivot en cas de fausse cassure pour réintégrer, puisqu'on pourrait très simplement avoir un scénario de range dans la zone, breakout baissier, breakout haussier, mais un breakout haussier qui devrait du coup être convaincant en cassure confirmée aussi du point pivot du jour. Voilà mes trois scénarios qui tournent sur donc ces deux niveaux, 4210, 4240 sur le S&P. Du côté américain, pour du Dow Jones 30, pareil, on s'est heurté deux fois à une zone support également. Et pour l'instant, on hésite soit à continuer la baisse, soit du coup à revenir un petit peu plus haut sur le point pivot et notamment ce gros niveau clé majeur. Du coup, la résistance des 34 000 points, niveau psychologique aussi. Donc toujours, hein, bien sûr, plus sous pression vendeuse, mais une tendance baissière qui peut commencer à se poser en fait des questions. C'est ce qu'il faut retenir sur les marchés américains. On va rajouter les points pivots ici aussi. Et on va s'apercevoir que d'un point de vue horaire, on a une zone support déjà sur les 33 050, une zone résistance sur les 33 300, et on évolue en plein milieu autour du point pivot. Alors on commence à casser le sommet précédent, ce point pivot aussi, ce qui peut nous entraîner sur un scénario à terme du coup déjà sur les 33 300 aujourd'hui sur le Dow Jones 30. Attention au rejet de la résistance dans un premier temps ou à la cassure confirmée et au retest pour continuer un scénario aussi en direction de la résistance du jour. Donc ça c'est du coup si on monte, si on repasse un petit peu trop sous le point pivot, attention au test de la zone support ici correspondant au creux précédent, et en cas de break on a aussi ce creux ici avant du coup la zone support S1. Donc voilà, vous avez cette zone là aussi, hein, à surveiller, qui va tourner autour des 32 950 points.
Voilà pour le Dow Jones 30 pour ma part aujourd'hui. Du côté du Nasdaq 100, sans grande surprise, c'est toujours la même chose. Je vous ai laissé encore pour le moment les 14 250 à titre de résistance majeure journalière. Et puis on a testé deux fois également la zone support SA mensuelle. Donc on a un marché qui se pose des questions. Mais on a encore une tendance baissière plus favorable, je trouve, sur le Nasdaq 100 que sur du coup le Dow Jones 30. Et à titre de scénario, ce que je vous ai mis en place ici, c'est une zone résistance sur les 13 425 points, voilà, on va être précis. À titre donc de résistance et pour le support, les 13 275. Donc trading en range jusqu'à preuve du contraire à l'intérieur de la zone. On va pouvoir ici avoir du breakout baissier si on passe le seuil support du coup des 13 275 pour tester les creux précédents en direction de la zone support S1 du jour. En cas de cassure par le haut, attention rapidement au point pivot du jour et au-delà du point pivot du jour, on va avoir aussi des choses intéressantes avec le PPS1 intermédiaire mensuel des points pivots Admirals et la résistance R1. Donc voilà à titre de scénario aussi ce qu'on peut retrouver sur les marchés US et notamment le Nasdaq 100. Avant de partir sur les matières premières, je reviens rapidement sur le chat ici. On avait Christophe qui nous disait bonjour à tous, bienvenue à toi aussi. On avait aussi du coup Yakuba qui nous disait bonjour à la famille, bienvenue à toi Yakuba. Et Sofia qui nous disait bonjour à tous, bienvenue à toi aussi. Sofia Philippe, tu nous disais Jérémy, peux-tu me dire ce que tu penses du salon de l'analyse technique du 1er avril? Alors je t'avoue que j'y avais été quelques fois plutôt dans ma période apprentissage, on va dire, j'avais pris des notes, j'avais fait mon travail comme tout le monde. Voilà, j'ai eu qu'une expérience. Du coup, bon, j'avais trouvé ça intéressant, si tu veux, mais clairement, c'est pas là où j'ai appris le plus de choses. Hein. C'est derrière mon écran, chez moi, à travailler, à scruter aussi un petit peu Internet, mais beaucoup plus dans le monde anglophone que dans le monde francophone. Voilà mon petit retour par rapport à ça pour toi Philippe. On continue sur le gold. Le gold du coup qui est toujours extrêmement haut, hein, bien évidemment. Enfin, dans une belle tendance haussière, mais en phase de respiration. Vous voyez ces premières bougies ici, rouge et Kenashi. Attention, hein, petit rappel sur les Kenashi. Je peux vous partager l'article si vous voulez, mais c'est pas parce qu'on a des bougies rouges et Kenashi qu'on a des séances baissières pour autant. Donc attention à ça. Vous le voyez clairement quand je superpose les deux, puisque l'indicateur Kenashi est un indicateur code couleur qui se superpose sur MetaTrader au chandelier. Donc ici, c'est pour ça que je mets les bâtonnets derrière. Pour que ce soit pas trop moche, bien évidemment. Allez, on continue sur le graphique horaire. Donc, on est en respiration, mais dans une tendance largement haussière. Et sur le graphique horaire, justement, on rajoute les points pivots. On va regarder les niveaux et les scénarios pour aujourd'hui. Borne basse, zone support, 1970$ l'once d'or pour ma part, avec une sécurité sur la zone support S1. Les bougies, en fait, hein, les mèches précédentes qui ont cassé un petit peu le niveau support. Juste au-dessus, partie relativement médiane, pardon, de la zone actuelle, le point pivot du jour. Et notamment, juste au-dessus, pour ma part, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ma résistance des 1990$ l'once d'or, non loin de la résistance RA mensuelle. Donc trading en range jusqu'à preuve du contraire dans cette zone-là. On va pouvoir breaker si on arrive à confirmer une belle cassure de la zone support ici, ou breaker par le haut, pareil pour du coup cette zone résistance qui deviendra peut-être justement à titre de théorie technique hein, sur les marchés support. Et à ce moment-là, test de la résistance R1, non loin des sommets précédents à envisager sur le gold. Donc attention, pour le moment, on est posé sur une zone support où même à l'intérieur même, en fait, on va avoir de la consolidation. Vous le voyez ici sur du M5. Je vais voir ce qu'il en est. Voilà, c'est exactement ce que j'ai sur le système, mais de manière systématique. Hein, ici, on ne se pose pas de questions. C'est du gris, donc c'est du range pour le moment, du coup, attendu sur le gold avant l'open. On va partir sur le Brent, un Brent qui respire aussi. Je vous dis souvent, la proportionnalité entre l'impulsion et la correction est aussi présente sur les marchés. Vous voyez bien qu'une impulsion très importante peut faire appel à une correction relativement importante aussi. Donc tendance haussière mais en phase de respiration. On va rentrer dans le détail sur un graphique horaire également ici. Et on va retrouver de la consolidation aussi entre deux zones. Je vous ai mis une zone résistance sur les 114,50, une zone support sur les 109,50 et range à l'intérieur jusqu'à preuve du contraire tout simplement. On a le point pivot juste au-dessus du dernier sommet. Attendez, on va hop, zoomer un petit peu si vous voulez pour y voir plus clair. Donc voilà le point pivot ici. Donc la résistance des 114,50 avec la R2. Si on arrive à franchir le point pivot, on fera déjà premièrement le test possible pour un rejet à ce moment-là du coup de la résistance ou break et direction la R1 si on arrive à casser en poursuite ici pour ce test du sommet précédent, même la R2. À l'heure actuelle, on veut rechercher plutôt la zone support S1, donc avec ici les 109,50. Si on trouve du rebond, on peut avoir un double creux en cas de cassure pour aller remonter un petit peu plus haut, comme on le disait précédemment. Et si on a une cassure, voilà à quoi ça va ressembler sous les 109,50, direction la R1 cassée, et notamment la zone support S2 du jour, voire zone support S3 pour une poursuite de la respiration. Pas forcément une tendance baissière journalière, une tendance baissière possible horaire, mais une poursuite
de la respiration journalière également ici à ne pas oublier. Donc voilà ici mes scénarios également sur le Brent. Avant de partir sur le Forex, je reviens rapidement sur le chat. Florian qui nous dit, du coup, tu y signes des autographes à ce salon? Non, non, je t'avoue, je te dis, hein, depuis que je suis passé du coup de trader débutant et perdant, hein, comme on commence tous, à trader gagnant, etc. Je t'avoue que j'y suis jamais retourné en fait. Florian qui nous disait, du coup, je vois une ETE sur le gold en horaire et une ETE inversée sur le JPY. Alors attends, hop, le gold en graphique horaire, une ETE. Tu nous disais une ETE sur le gold en graphique horaire. Une ETE inversée, tu veux dire? Hop, ici comme ça. Très pentu ici. Ça commence à se poser des questions sur la dernière épaule. Parce qu'une ETE classique, je t'avoue, je la vois pas. Bon, à mon avis, c'est celle que tu vois. Et l'EURJPY qu'on ira la voir après si tu veux. On ira voir après si tu veux. Alors hop, on continue sur du coup l'euro-dollar déjà. Toujours sous les 1,11, un beau rejet d'ailleurs de cette dernière zone majeure journalière placée en résistance, puisqu'on est, on évolue bien sûr en dessous. Hein, je vous rappelle le principe des résistances, c'est au-dessus du cours actuel, des supports, c'est en dessous. Et pour l'instant, on continue donc dans cette tendance baissière des sommets, des creux de plus en plus bas, à la recherche du test du creux précédent pour le moment. Donc, dépression vendeuse dominante sur l'euro dollar qui chute. Vous vous rappelez, on avait mis cette oblique en place. Elle a été travaillée brièvement ici comme ceci, en maintien, ensuite en cassure, retesté côté extérieur, et on est reparti vers le bas. Je vous invite à regarder le webinaire que j'avais fait sur les lignes de tendance, si vous aimez ça. C'est directement sur la chaîne YouTube. Du coup, vous pouvez la retrouver. Du coup, je vous glisse juste le lien de la chaîne YouTube, mais c'était dans les dernières vidéos, bien sûr. Et ça peut être aussi très intéressant. Alors, on a eu deux tests en plus sur les 1,09 pile poil à un niveau clé ici sur l'euro dollar. Donc zone support pour ma part, un double test si on casse le dernier sommet. Juste attention à cette sécurité avec les 1,0950 et le point pivot du jour. Sinon, on aurait un scénario du coup de double creux sur un graphique horaire pour remonter un petit peu. Si on prend cette distance-là, on aurait de quoi revenir un petit peu par ici justement autour des, c'est quoi, les 1,0970 en plus zone résistance. Donc attention, c'est juste qu'on a les 1,50 en ligne de mire parce qu'on a des structures précédentes qui font office de support ou de résistance et on a notamment ce point pivot du jour. Donc ça, c'est un scénario pour du coup remonter déjà sur le point pivot, voire le casser. Attention en cas de rejet depuis le point pivot ou même tout simplement depuis le dernier sommet pour refaire un test jusqu'au 1,09 en fait. Zone support jusqu'à preuve du contraire, donc du trading range dans la zone. Breakout aussi est possible, breakout baissier possible. On fera attention aux zones support S2 mensuelles et zones support S1. Pour les plus pessimistes, pour bien sûr la baisse. Hein. Quand je dis pessimiste, c'est la baisse. Les optimistes, bien sûr, c'est la hausse possible. On va partir sur du M5 et aussi regarder le GBP/USD. Un GBP/USD qui continue sa tendance baissière journalière sous le seuil clé des 1,3200. Retesté quasiment ici proprement, j'ai envie de dire. Hein, c'est pas au millimètre près, mais on est revenu tester la zone. Vous voyez toutes ces mèches-là qu'on a clairement testées de toute façon pour mieux repartir de manière relativement agressive, puisque des retracements relativement petits qui n'ont pas duré longtemps, hein, clairement. Le graphique horaire, lui, va nous montrer plusieurs petites choses. Alors, je vous avais mis trois niveaux. On est en train déjà de repasser au-dessus, hein, clairement, des 1,3025. Donc ici, on est déjà dans la phase respiration qui nous entraîne au sommet précédent. Je vais mettre les points pivots ici. Et on va placer ce niveau-là plutôt en noir maintenant, puisque ça va être un petit peu du coup, le milieu entre ces deux zones, hein, puisque j'ai une résistance ici des 1,3050 avec le dernier sommet, et j'ai un support ici d'ailleurs pile poil sur la zone support S1 du juin, les 1,30. Entre les deux, c'est ce fameux niveau clé des 1,3025, et du coup qu'on est déjà en train de récupérer, puisqu'on repart au-dessus. Donc attention à un prochain test résistance des 1,3050. En cas de rejet, retour possible sur les 1,3025 et une poursuite du creux précédent et la zone support S1 pour les plus pessimistes, c'est-à-dire pour les vendeurs, bien sûr, qui favorisent, les traders qui favorisent les ventes sur le GBPUSD à l'heure actuelle. Sinon, attention, depuis ce test-là, si on casse, on a quand même un point pivot. On a toujours cette zone qui fait un petit peu office et obstacle à l'heure actuelle, office donc de résistance et d'obstacle pour le moment. Donc attention, il faudrait que ce soit convaincant plutôt comme ceci, hein, pour repartir sur de la hausse, à mon sens, d'un point de vue horaire, sur le GBP/USD. On va regarder déjà ce que ça donne sur un graphique 3 pips. Pour l'instant, sur un graphique 3 pips, il est juste dans une phase de respiration, la tendance baissière, du coup, plus largement présente et encore d'actualité pour l'instant. Même si, du coup, ici, voilà, vous voyez qu'on réintègre en fait cette zone-là. Donc, c'est pour ça, si on teste la résistance, attention à retour ici, puisque ça serait à nouveau donc les 1,3025, zone support attendue.
Voilà pour du coup ces deux paires ici déjà, l'euro dollar, le GBP/USD. On va partir sur l'USD/JPY et de l'USDK d'avant les cryptos. Alors vous avez vu, vous rappelez, on a énormément parlé des 115,50. On avait actualisé le niveau ici ensemble des 116 sur l'USD/JPY. Grosse cassure de la zone résistance qui passe ici. Donc support et depuis on ne se retourne pas vraiment, ça pousse, ça pousse. Donc ici, on avait même eu la borne basse de la zone de rien. Donc je vais pouvoir enlever l'oblique maintenant. On va regarder ça comme ça. On a un niveau face à nous clé, les 117,90. Cette zone 117,90-118 qui représente une zone obstacle et résistance qui va du coup faire bloquer un petit peu, bugger un petit peu, j'ai envie de dire, l'évolution du cours. On va peut-être avoir une sorte de double top ici, cassure pour récupérer. On est parti tellement de manière directionnelle que le marché aura besoin à un moment donné de respirer. À ce moment-là, on a une belle zone avec la R2KC déjà mensuelle et notamment le niveau aussi des 117,25 que je vous ai placé à titre de support. Pour autant, on est déjà sur le test de la R1, donc on est vraiment dans une zone résistance 117,90 et la R1 du jour. De la respiration qui serait la bienvenue pour trouver possiblement des rebonds. Sinon, on a le point pivot aussi ici un petit peu plus bas, etc. Et sinon, on peut ranger entre du coup ce dernier sommet, ce dernier creux. Et si le marché est relativement agressif pour une poursuite haussière, breaker les 117,90. Attention aux 118, direction les 118,20 pour la R2. Donc des niveaux quand même très proches les uns des autres, comme vous pouvez le voir. Côté USD/CAD, vous rappelez, on est sorti de cette zone de range, hein. D'ailleurs, je ne vous ai pas placé un beau ou gros niveau journalier. On va remédier à ça directement. Hop, ici. Et du coup, c'était normalement les 1,27. Voilà, les 1,27,75 hein, dont on avait pas mal parlé ensemble. Alors, je le mets ici. On travaille un petit peu le niveau. Donc, après cette belle cassure ici, retest. On est sur le point de décision, hein, soit pour rejeter et réintégrer vraiment cette zone de range, soit pour réussir en fin de compte à partir, retester les sommets, etc. Donc on va déjà voir ce qui se passe sur un graphique horaire à court terme. Vous voyez, voilà, c'est là où je vous avais mis ma zone. Je vous avais mis ici une zone sur les 1,27,90 résistance testée ces dernières fois ici, là aussi. On commence à se poser des questions pour peut-être repartir sous le seuil des 1,27,75. À ce moment-là, attention au point pivot avec juste avant ce niveau-là, les 1,27,50. Donc là, on va avoir pour l'instant un marché qui va vraiment tourner, qui sera vraiment fonction des 1,27,75. Si on casse le creux précédent déjà, test de la zone support à 1,27,50. Et si on veut continuer, il faudra casser le point pivot du jour pour tester le point pivot mensuel et ensuite la zone support S1. Si on break ici un petit peu comme ceci, attention à toute une zone résistance R1 et notamment les 1,27,90 qui passerait alors support pour réintégrer la zone précédente qu'on a à peu près ici. Voilà ce que je peux vous dire sur l'USD/CAD. À 2 minutes de l'open, on va regarder rapidement les cryptos qui évoluent toujours dans des ranges. J'ai 45 000 par le haut, les 34 800 par le bas pour le Bitcoin. D'un point de vue horaire, je vous mets des niveaux ici. Le dernier niveau, pardon, support pour ma part, les 37 500 pour la résistance des 39 250. Donc, trading en range à l'intérieur de la zone, mais une résistance déjà dans un premier temps pour un rejet. En cas de break, attention à la confirmation avec les 39 500. Ici aussi, on a des points pivots qui sont relativement proche. L'Ethereum toujours bloqué également entre les 3200 et les 2370. On va regarder aussi ici rapidement et brièvement du coup le graphique horaire. Je commence à regarder déjà ce qui se passe à côté. Du coup, on a une zone résistance aussi sur les 2590 pour une zone support sur les 2525. Donc attention à du trading range à l'intérieur de la zone jusqu'à preuve du contraire. Des breakouts haussiers, des breakouts baissiers, fonction du respect ou non de ces mêmes niveaux. Allez, on se penche sur l'open ici qui va pas tarder. Le footissant, faut que je le remette là. Ici, on va remettre le CAC qui est là, du coup, le DAX. Donc, on met en perspective, on est de retour pour l'instant, attention, sous les 13 850 sur un DAX 40 qui a du mal à se développer sur une tendance haussière, clairement pour ma part, sur le système depuis 8 heures, bien sûr, et un graphique 1 minute qui commence déjà à montrer des signes de retournement de tendance. On a un CAC 40 qui serait plutôt haussier, un FTSE 100 qui serait aussi plutôt haussier, mais face à des niveaux résistance comme les 7002. Par contre, le CAC 40 hein, qui va commencer à descendre de plus en plus pour retester les 6300. De toute façon, les premières minutes de séance, hein, ce n'est pas le CAC 40 qui va m'intéresser. Je vais plutôt regarder voir ce qui se passe sur du GBP, sur du DAX, pardon, et notamment du FTSE 100. Allez, l'open qui arrive, il est 9h. Bonne séance à tous. On va voir ce qui se passe. Didier qui nous dit bonjour à tous. Bonjour Jérémy, bienvenue à toi aussi Didier. Je reviens sur le chat dès que possible. Déjà voir un peu comment ça réagit sur cet open et les informations qu'on peut en tirer.
le gold aussi qui range encore. Ça va sûrement travailler un peu les 13850 avant de se décider. On est déjà sur le zone support hein, des 6300. C'est un recomblement de gap possible pour le CAC 40 qui commence à chuter déjà. Ça y est, ça repasse en range potentiel pour moi avant d'avoir un début de tendance sur le CAC. Le FTSE 600 qui descend bien aussi. On a juste un CAC, un DAX pardon, qui lui reste autour de ces 13850, qui ne suit pas le CAC, qui ne suit pas le FTSE 100. Il fait sa vie bien sûr à la locomotive comme on l'appelle. Du coup, qui travaille toujours cette zone résistance en tentative de cassure, hein, clairement pour l'instant. Je reviens sur le chat pour l'instant, c'est relativement calme. Sébastien qui dit bonjour à tous. Une excellente journée, merci, bienvenue à toi aussi Sébastien. John Mac qui nous dit coucou, bienvenue à toi John Mac, ça fait plaisir que tu sois là. André qui nous dit salut aussi. Bienvenue à toi André du coup. On avait Arnaud qui nous dit salut tout le monde, pouce bleu fait comme tous les jours, juste un bonjour car pas mal de boulot en ce moment, toujours un plaisir. Merci beaucoup Arnaud, ça fait bah, clairement plaisir, c'est le cas de le dire, que tu passes nous faire un petit coucou et que tu poses un like. Alors pendant que je lisais le commentaire, un petit scénario de baisse qui s'est activé très rapidement pour un premier TP de 22 points, je vais pouvoir sécuriser tout ça. Scénario maintien possible donc de la... maintien possible de la résistance. Allez, on va voir si on a un rejet qui peut être intéressant. On va avoir le test des 13800 prochainement. Possiblement sur du coup sur le DAX 40. Ça descend hein, sur le CAC 40 aussi. Le FTSE 100 qui est déjà sur son test support S1 mensuel et notamment les 7150. Vous avez vu le CAC qui descend beaucoup plus pour l'instant que le DAX et le FTSE 100 aussi qui descend en ligne droite. GBPUSD qui fait pas grand-chose pour le moment. On va regarder le gold, mais le gold il range toujours, regardez ici, toujours en consolidation. Attention à ceux qui sont sur le gold pour le moment. Ça respire un petit peu. Si du coup ça respire trop bien, ce sera un TP de 1 équivalent à un stop suiveur. Donc ici, ce sera un scénario à 0. Et du coup, on va voir si ça peut quand même tenir la route face aux 13850. Mon stop suiveur est placé sur les 862. Déjà sur le test des 150, hein, ça a été vite quand même sur le FTSE 100 pour la baisse. Bertrand qui nous dit bonjour, bienvenue à toi aussi Bertrand. Philippe qui nous dit du coup Jérémy, désolé, je n'ai pas entendu ce que tu as dit sur le salon. Oui, je disais que j'y avais été qu'une fois hein, au salon de l'analyse technique du coup. À l'époque où j'étais en recherche, en apprentissage du trading, hein, de tout ça. C'est vrai que depuis j'y suis pas retourné, j'avais trouvé ça assez intéressant, mais clairement c'est pas là où j'avais appris bien sûr le plus de choses, hein. C'est vraiment le temps passé derrière les écrans et à chercher beaucoup de choses aussi dans le monde anglophone qui m'a permis, si tu veux, d'aller plus loin et de passer des étapes, on va dire, dans mon apprentissage. Araki qui nous dit, est-ce que tu pourrais analyser le GBP-JPY? Hop, on va partir là-dessus, GBP-JPY. Alors pour l'instant ça se tient, hein, sur le DAX à la baisse. GBP/JPY du coup toujours dans sa tendance baissière journalière. En fait, on est sorti hein, d'un gros double top ici par le bas. Donc on est loin d'avoir fait le scénario complet hein, du double top. Donc pour l'instant, on est sur une respiration, une zone de résistance qui travaille un petit peu ici. Alors les 153,50 qui me paraissent pas trop mal et en plein test à l'heure actuelle. Ouais, mais tu vois, pour l'instant, sur le graphique OA, par exemple, typiquement, on est en tendance haussière. Donc, ici, pour l'instant, mais tu n'as pas de confirmation d'un billet directionnel comme ton graphique journalier. Donc, pour l'instant, attention au test de l'ARA. On verra justement si le marché finit pas par se retourner.
pardon, sur cette R1, notamment en concordance avec les 153-55, 153-50. Mais c'est vrai que sur GraphicWare, tu es pour l'instant encore en tendance haussière en fait. Allez, est-ce qu'on va avoir le rejet pour une poursuite? J'ai une extension 61,8 de fibre sur les 13 804 et quelques, les 100% sur les 70, les 127 sur les 45 et notamment les 710 pour les 161,8 de Fibonacci. On va voir si ça peut tenir sur cette baisse pour l'instant. Voilà pour toi Zaraki, du coup GBP, JPY. Florian qui dit du coup non, la première épaule du coup était celle du 7 mars 2022, première épaule. Alors attends, on va retourner. Je crois que tu nous parlais du gold en graphique horaire. Est-ce qu'on peut tout voir ici? Tac, on va dézoomer. Du coup, 7 mars 2022. Ah oui, ok, je vois. Donc comme ça, d'accord. Ok, je vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Du coup, bah, ça correspond de toute façon avec ma zone support des 1970. Ça, c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que si tu veux, après ça, ce genre de choses-là, du coup, moi, je le verrais plus très certainement, tu vois, sur du H4 en fait. Et pas du graphique horaire. Parce qu'en fait, tu as tellement de sommets intermédiaires. Entre, tu vois, tu as 1, 2, 3, 4. Là, tu en as plusieurs. Là, tu en as plusieurs, pareil. Du coup, que je le verrai plus sur un graphique H4, par exemple, cette figure-là. Du coup, sortie à zéro sur ce petit scénario de baisse pour l'instant. Du coup, rien de gagné, rien de perdu. C'est que le début de la séance. On va voir comment les choses évoluent. On a un FTSE 100 qui commence à réagir un petit peu. Du coup, ça commence à baisser aussi sur le gold. Départ, du coup, d'une tendance baissière possible. On réagit un petit peu sur le FTSE 100. On a un CAC qui revient tester les 6300 à titre de résistance pour l'instant. Voilà, ça remonte sur le DAX. Un petit peu de baisse pour mieux remonter. En tout cas, c'était beaucoup de travaux autour des 13 850. C'est pour ça que quand on tient compte de la volatilité, on peut faire attention et on peut quand même exploiter certains mouvements, certains départs. Si on ne sécurise pas derrière, oui, bien évidemment, bien ça se retourne, c'est un trade perdant. Si on sécurise, c'est une opportunité calculée et qui rapporte rien, à part le potentiel si la baisse avait enchaîné. Donc là, ça remonte d'un coup pour l'instant. Donc début d'une tendance haussière sur mon M5 et mon M1 équivalent sur le système LTR. On est en rebond pour l'instant depuis le point pivot sur le FTSE 100 justement. Tatou qui nous dit bonjour, bienvenue à toi aussi Tatou. Sofiane qui nous dit bonjour à tous, ça fait plaisir Sofiane. Philippe qui nous disait bonjour à tous, bonjour Jérémy, bienvenue à toi aussi Philippe. Amine qui nous disait bonjour Jérémy, bonjour tout le monde, bienvenue à toi Amine également. RG qui nous disait salut Jérémy, si je comprends bien, tes ordres sont automatiques sur ton système. Semi-automatique, oui. Semi-automatique. C'est-à-dire que, tu vois, je vais. Hop, on va faire un exemple. Si par exemple ici je veux prendre la hausse sur une bougie de poursuite, tu vois, je peux mettre ça en attente et en fait il va traquer pour moi. Donc là, il va pas traquer longtemps puisque c'est la seule bougie qui peut arriver si on clôture sur les 43,07. Par contre, si on clôture plus bas et qu'on refait des différentes bougies d'inversion, tu pourras voir qu'il va traquer. Je vous le montre de temps en temps. Donc c'est pour ça que des fois j'active 2-3 choses, je reviens sur le chat et en un instant c'est déjà en place. Ça monte vite pour l'instant sur le DAX. Attention à pas tomber dans le FOMO, hein, on est déjà haut par rapport aux 850 points. Dis-moi si c'est clair du coup, RG. Philippe qui nous dit merci Jérémy, je t'en prie. Philippe Zaraki qui nous dit aussi merci Jérémy, avec plaisir. Florent qui dit hop, 21 points sur le FUT CAC, ça fait plaisir dès l'open top. Bravo à toi Florian. Kevin qui nous dit bonjour. Du coup, c'est moi, on a une super pattern de retournement sur le WTI. Alors dis-moi si tu veux qu'on aille le voir, WTI, du coup Kevin, et surtout l'unité de temps, si tu veux que j'aille voir ça. John Mack qui nous dit du coup, salut la team, où trouve-t-on le CAC 40, le FTSE sur MT4? Est-ce que la disponibilité dépend du broker? Alors oui, mais je pense que tu l'auras hein, sur la plupart des brokers, John Mack, ces actifs-là. Il faut que tu ailles dans la navigation ici. La navigation, excuse-moi, dans l'observation de marché. Par exemple, ici, chez Admiral, c'est CTRL plus M. Tu as tous ces actifs-là, mais du coup, si tu fais montrer tout, tu as véritablement tous les actifs disponibles sur ton compte de trading.
Donc sur MT4, ça fonctionne de la même manière. Moi d'ailleurs, ici, si tu es chez Admiral, c'est MT4. Il y a le Foot 600 sous l'intitulé Foot 600 ici et CAC 40 ici. Par exemple, si tu es sur d'autres brokers, tu pourrais avoir d'autres intitulés, par exemple. C'est là où tu peux peut-être du coup avoir du mal à retrouver l'actif en question parce qu'il ne s'appelle pas directement Foot 600. Des fois, ça s'appelle UK 100. Tu vois, des fois, le CAC 40 s'appelle France 40 selon les brokers. Bon, souvent, France 40, c'est pour du CFD basé sur futur, mais tu vois ce que je veux dire. Dis-moi en tout cas, John, si tu trouves tes actifs, là, le FTSE justement et le CAC. Donc pour l'instant, en hausse, c'est quand même hésitant. On va voir si on a de la respiration. Le Golden qui commence à partir en tendance baissière aussi, vous le voyez ici. Alors, en fonction des scénarios dont on a parlé, ça donne quoi? On tente de casser les 1970, la zone support. On hésite pas mal sous les 950 pour l'instant avec le DAX. Antonio qui dit le DAX 96.TP. Bravo Antonio, félicitations. Sofiane qui dit coup, votre système de trading est-il gratuit? Tu peux le tester gratuitement pendant 15 jours, mais sinon non, il n'est pas gratuit. Tu peux demander là, parce que je ne peux pas parler de l'offre complète bien sûr, sur ces séances chez Admiral. Tu peux demander plus d'informations en envoyant un mail. Deuxième ligne du descriptif de la vidéo. Tu as l'adresse mail france@admiralmarkets.com. Du coup, tu leur fais une demande d'information des outils Alter. Ils te renverront sur le site en question. Tu trouveras bien sûr les informations. Tu pourras même me poser des questions en direct et tester du coup ce système-là aussi pendant 15 jours. Maximilien qui faisait du coup Hello 17 points sur le futur CAC aussi. Bravo Maximilien, félicitations. Bravo à tous ceux qui ont pris du rebond ici sur le CAC. On a un DAX qui veut continuer de pousser un petit peu, mais au bout d'un moment, il va commencer à respirer. C'est quasi une certitude pour le coup, parce que c'est le fonctionnement même et le comportement même des marchés. 68 likes jusqu'à présent. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de liker le petit pouce bleu. Ça me fait bien plaisir. Ça fait vivre cette chaîne YouTube et ça nous permet de nous retrouver au quotidien. RG qui nous disait du coup, oui, semi-automatique, car tu peux toi aussi déclencher l'ordre, mais le système déclenche parfois des ordres en auto, il me semble. Alors, quand je dis ouais, semi-automatique, en fait, c'est que j'attends une phase qui peut être une phase de marché qui peut être intéressante, et ensuite, du coup, je dis à l'assistant, en fait, je dis bah, maintenant, tu te tiens prêt. Tu te tiens prêt pour telle configuration de prix, etc. Et c'est lui qui va ensuite, si tu veux, dès que la configuration arrive, placer un ordre en attente, comme ça, on a une meilleure exécution aussi au marché. Il va lui-même calculer. Par exemple, en fonction de 25, 50, 100 euros que je vais risquer, le nombre de lots, il va lui-même donc l'ordre en attente, le stop en attente et deux TP en attente aussi. Donc en fait, ensuite, dès que je suis du coup déclenché, eh bien ça va se passer et l'assistant va faire les choses en place. Tu vois, va se mettre en place. Bon, tiens, je vais te faire un exemple ici. Hop, tu vois. On tombe dans les retracements de Fibo pour l'instant. Donc je l'ai activé. Tu vois qu'ici, il est en attente pour les 927,92. Si on clôture sur les 902,67, il va descendre tout seul. Il va actualiser tout seul, du coup, ben, le stop, le prix d'entrée, le TP1, le TP2. Tout ça, c'est paramétré ici. Après, oui, je peux intervenir pour sortir, pour mettre break-even, par exemple, pour sortir directement aussi au marché avec la touche exit. Et je lui dis quel genre de configuration je veux. Là, par exemple, je veux une bougie d'inversion haussière. J'ai mis buy et j'ai mis inversion. Donc, c'est cette bougie-là qui m'intéresse. Mais si ça continue et que, du coup, ici, j'ai une bougie de poursuite baissière comme les précédentes, lui, il va traquer parce que avec ce système-là, tu connais à l'avance où ta clôture haussière est susceptible d'arriver, où ta clôture, c'est même pas susceptible, c'est où ta clôture haussière arrive, où ta clôture baissière arrive pour la bougie actuelle. C'est ça que j'adore dans ce système-là, c'est que contrairement à des graphiques temps, des graphiques antiques, des graphiques en range, tu sais jamais où ça clôture. Là, tu sais à l'avance, c'est soit ici, soit là. C'est aussi déjà un avantage, je trouve, en trading, clairement.
Kevin qui faisait du coup WT en H4, mais même en daily, ça marche, on va aller voir ça si tu veux. Il est intitulé Crude Oil chez Admirals. Du coup, voilà, Crude Oil WTI. On va aller le voir si tu veux. Voilà, je te remontre juste, puisque en fin de compte, il a. Hop. Justement, on était là tout à l'heure et là il s'ajuste, tu vois, tout seul pour aller voir si justement, tu vois, pareil encore, hop, il s'ajuste. Donc c'est là aussi du semi-automatique, la machine qui va traquer pour moi la clôture de prix, le signal que j'attends, bien mieux que je ne le ferais en tant qu'être humain, clairement. Donc c'est pour moi semi-automatique plus du coup le trader, c'est tirer avantage des deux mondes, du coup notre expérience à nous en tant que trader et l'avantage de l'exécution et de la rapidité et de l'exactitude de la machine. Donc tac. En H4. Je pense que tu parles aussi d'une épaule tête épaule hein, quelque part. Là, on avait même un double top cassé par le bas, mais du coup, oui, vu que tu nous disais même du daily, je pense que tu parles de l'épaule tête ici et de l'épaule par ici. Par contre, la ligne de cou un petit peu pentue comme ça, je préfère quand c'est relativement à l'horizontale, voire même comme ça. Mais oui, si. À voir en tout cas, bien sûr, de toute façon, des marchés déjà très très hauts, hein, que ce soit le WTI ou le marché du pétrole. Donc ça continue de retracer. Vous voyez que la bougie ici va continuer de. L'assistant va continuer de traquer. Voilà, hop, vous voyez, ça bouge encore. Tac, 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 ça bouge encore, encore, encore. Donc là, on retrace profondément. Pour l'instant, on retrace sur les 50% de Fibonacci. Poil sur le 13 900. Bibaou TV qui nous est Euro JPY en H1. Alors l'Euro JPY en H1, il est là. Tentative de sortie d'un range par le haut avec une borne haute qui pour moi se présenterait sur les 128,70 à peu près. Anthony qui dit, alors ça on l'avait lu, excuse-moi. Philippe qui nous est 15 points sur le CAC, bravo. Abdel qui nous est du coup, bonjour Jérémy, bonjour les amis, bienvenue à toi aussi Abdel. Et RG qui nous est, ok, merci pour ta réponse, beau travail en tout cas pour ce système avec un like. Merci beaucoup RG, ça fait plaisir. Ça a mis du temps, hein, clairement, ça a mis beaucoup de temps, mais c'est vrai qu'ensuite c'est très plaisant. Et ça, si tu veux, c'est l'un des moyens de trader ce système-là, l'un des deux meilleures manières de faire. Il y a un assistant qui est encore beaucoup plus développé, qui permet encore beaucoup plus de choses, comme par exemple du pyramidage et pas mal de choses en fait. Ça hésite énormément sur les 900 pour l'instant. Ça réquisitionne une dernière question. Comment tu fais pour transformer ton MT4, pardon, pour transformer sur MT4, transformer les profits et pertes en euros, en points ou pips, si possible. Alors, je sais qu'à une époque c'était possible, mais c'est vrai que je sais plus si du coup c'était possible. On m'avait posé, je me rappelle, la question. Attends, on va regarder ça. Dans la colonne, normalement, c'était quelque chose de très très simple. Hein. C'était. Colonne profit. Attends que je me rappelle. Je suis en train de surveiller. Là, on a un je suis à initié hein, déjà sur le. Du coup, sur le. Je vais vous montrer ça.
sur le DAX, du coup, avec le retracement dont on parlait tout à l'heure. Donc ici, profit. Voilà, en point. Parfait. Sur MT4, c'est resté comme ça. Je me rappelle que j'avais trouvé plus de difficultés à le trouver sur MT5, puisque je crois que c'était plus comme ça. Low sum. Trailing stop. Ouais, je crois que sur MT5, c'est pas pareil. Hein. Ouais, sur MT4, c'est toujours si simple. Alors, pendant qu'on parle, hop, ici, le TP1 a été atteint. Alors, j'ai fait un TP plus court quand même. On a du 17 points, ce qui est pas trop mal pour un petit graphique M1. Je vais mettre sur du 17 points derrière. On va voir si le deuxième TP peut être atteint sur les des sommets pardon, précédents et notamment sur les 13 950 points. On pourrait retracer plus que ça, hein. C'est pour ça que je suis vigilant et que je fais attention. Voilà le stop sueur qui va très prochainement se faire déclencher. C'est maintenant que ça se joue, hein. Soit ça rebondit tout de suite, soit le TP1 est équivalent au stop sueur. Donc voilà, sur MT4, c'est simple. Hein. Tu vas sur la ligne, tu fais clic droit, tu peux mettre soit profit, soit point, tu mets point, et comme ça, c'est clair que tu fais moins encore attention. Mais moi, je vous invite à même vraiment faire attention à directement ce qui se passe sur le graphique, du moment que vous avez bien calculé, que ce soit avec le mini terminal ou autre chose, que votre TP, que votre stop, par exemple, représente un certain montant de votre capital, etc. Du coup, ça va directement être graphiquement que les choses vont être intéressantes à surveiller et à travailler en fait. En plus d'avoir alors déjà le mini terminal vous permet d'avoir votre position résumée en cours ici si vous voulez, mais bon, vous voyez les euros aussi. Mais avoir le terminal en bas en plus qui remonte, ça tasse encore plus votre graphique. Moi, je suis vraiment partisan d'un plus grand espace de graphique dédié en fait pour la lecture, l'interprétation et tout ça indirectement pour le trading que d'avoir trop de choses qui font que votre graphique est peut-être un peu plus tassé, que vous voyez moins l'information du comportement du prix à l'instant T. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Zaraki qui nous dit, du coup, je t'avais posé la question si je me trompe pas, et Christina, du coup, avait aussi dit que cela aide pour la psychologie. Ah, d'accord. Alors, à ce moment-là, on avait peut-être parlé de ça sur MT5. Parce que je me rappelle que sur MT5, enfin, c'est encore différent. Mais sur MT4, c'est toujours là et c'est toujours aussi simple. Florian qui nous dit, du coup, est-ce que tu as vu le loup de Wall Street avec DiCaprio et l'outsider, du coup, sur l'affaire Jérôme Carviel, Jérémy? Alors, j'ai vu Wall Street, j'ai pas vu l'outsider, je crois, du coup, avec Jérôme Carviel. Mais ouais, le loup de Wall Street, je l'ai vu. Bon, ça n'a rien à voir avec du trading, hein, clairement. Mais c'est toujours bon à voir. Bon, en fait, si tu veux, j'avais même lu le livre du loup de Wall Street avant de voir le film. J'avoue, j'ai quand même préféré le livre. En fait, c'est souvent le cas, hein, quand vous lisez un livre et vous voyez ensuite la version film, la plupart du temps, c'est vrai que le bouquin, le livre, et encore autre chose, il y a plus de détails, il y a plus de profondeur, on va dire. Zaraki qui dit merci Jérémy, je t'en prie Zaraki. Il se pose beaucoup de questions, hein, ce DAX. Je suis toujours dedans, je vais vous montrer ça. En grand, hop, toujours dedans. Stop suiveur qui est placé ici, ça se décide maintenant, soit ça part, soit ça se tient, soit ça sort, et du coup un TP de 1 qui est équivalent au stop suiveur, pas de risque clairement, donc là c'est voilà, je laisse faire tout simplement. Il peut se passer tout entre le TP ici et le stop ici, je laisse faire. Alors depuis que j'ai touché un TP1, je peux me dire voilà, je peux commencer à gérer même au fur et à mesure que ça monte. Ça c'est des parades, c'est des procédures qu'on peut mettre en place pour diminuer le risque au fur et à mesure aussi. Même si là, techniquement, il n'y a plus aucun risque. C'est plus pour, du coup, protéger les profits, au maximum au fur et à mesure que le marché évolue en notre faveur. Du coup, on sent quand même que le CAC et le FTSE ont bien envie de redescendre un petit peu. GBPUSD, il ne se passe pas grand-chose, hein, pour l'instant.
Voilà, stop sueur atteint sur du coup le DAX, donc ça va respirer plus profondément. Donc ici, TP égale au stop sueur, donc 0. J'ai un scénario en vente sur le CAC qui vient de se déclencher hein, sur les 6294 directions pour les 84 dans un premier temps. On va voir pour les 74 dans un second temps. Allez, encore une bougie pour aller chercher les 84. Donc sous la barre hein, du niveau clé des 6300 pour l'instant, le CAC 40. Après une belle cassure du creux, un retest. L'outsider, du coup, il est en VF en entier gratuit sur YouTube. Ça marche. Merci Florent. Je crois que je sais plus si j'ai même vu la bande-annonce ou pas. What is CAC, nous disait hier. CAC is a French index from the 40 biggest company in France. Frédéric, il disait le CAC, du coup, le FTSE devrait aller combler leur gap. Bah, il devrait le faire un jour ou l'autre. Après, c'est pas dit que ça arrive aujourd'hui. C'est ça en fait sur les comblements de gap. Tout est une question aussi de timing. Du coup, si le plus intéressant quand on veut faire du backtest, parce que bon, je parle beaucoup de backtest, justement pour trader les gaps, c'est de voir si c'est comblé dans la séance ou pas. Ou si c'est comblé peut-être le jour d'après ou encore après ou le mois d'après, tu vois. Parce que ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Fonction aussi du signal que tu as pour exploiter ce comblement de gap, etc. Tu recroises différentes informations, idéalement qui doivent te dire à peu près les mêmes choses, et comme ça tu sais que tu as un avantage statistique à exploiter cette combinaison-là, on va dire. Michel qui nous dit, tu as MT4 et MT5 sur un seul ordinateur ou chacun sur une machine différente? Tout sur un seul ordinateur. En fait, j'ai trois écrans, j'ai MT4 et MT5 ouverts sur le même PC. J'ai le YouTube à côté avec le logiciel de streaming, etc. JR qui nous dit OK, thanks, you're welcome. Allez, on attend de voir si on a un peu de baisse sur le CAC. Ce qui peut être limité rapidement avec les 150. CAC 40 qui revient, mais côté 13 850, un côté support bien sûr, parce que pour l'instant cette zone a été cassée, une zone de résistance cassée qui se transforme en support. Ah, ça met beaucoup de temps autour des 6300 pour le CAC 40. Ouais, ça va peut-être se décider. J'ai besoin des 84,64. Frédéric nous disait, ok merci, je t'en prie Frédéric, avec plaisir. Donc, je vous rappelle hein, le calendrier, à partir d'aujourd'hui, cependant 2 semaines, on va avoir un changement au niveau du coup des horaires de bourse.
Donc votre séance US démarrera pas comme d'hab à 15h30, mais plutôt à 14h30. Aussi l'idée hein, de idée trading de la semaine dernière d'Admirals sur le WTI. Donc je vous ai partagé l'article tout à l'heure. N'hésitez pas si vous revoulez le lien et les astuces du Tech Profit qui nous attendent dans 8 jours, 10h et 28 minutes désormais. Allez, ça descend. Je ne devrais pas être très loin d'aller chercher un TP1 déjà ici. TP1 pour du à peu près 10 points sur le CAC. TP2 dans les 20 points sur les 274. Ah bah, j'ai aussi le FTSE qui s'est activé du coup après avoir traqué quelques petites bougies ici. Allez, peut-être allez, TP1 de fait sur du coup le CAC. On va sécuriser aussi à 1 mm pour le TP1 du FTSE 100. Je traque ici le retracement qui ne se fait toujours pas pour l'instant sur le DAX. Enfin, c'est pas moi qui le traque justement, c'est l'assistant. Mais du coup, ça va commencer à prendre pas mal de temps, ça hésite beaucoup. Si on regarde, on est de retour quasiment sur les 850 pour l'instant. Je peux rapetisser mon stop hein, sur le FTSE aussi. Donc, je risque 13 points pour un TP1 de 9 et quelques. TP2 qui sera sous la barre hein, des 150. Clairement, j'ai une extension à symétrie de marché sur les 116, pardon. 7116 en quelque sûr. Mais si ça retrace de plus en plus profondément, de toute façon, le DAX au bout d'un moment, je vais désactiver l'assistant. Allez, on attend un TP2 sur le CAC 40 pour les 274 pour 20 points de plus. . 83 likes, ça fait plaisir, merci. N'hésitez pas à liker, à partager bien sûr pour qu'on puisse continuer ces séances tous les jours ensemble. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 10h. Et on se retrouve aussi cette semaine pour du coup un événement sur le calendrier économique. Ce sera mercredi soir avec la Fed bien évidemment. On a fait le NFP en début de mois aussi. N'hésitez pas pour qu'on soit bien sûr plus en plus nombreux. Et si vous connaissez des traders qui ont besoin aussi de découvrir certaines nouvelles choses, peut-être assister à des webinaires pour continuer leur apprentissage ou tout simplement pas rester derrière leur écran tout seul tous les jours. C'est avec plaisir. Allez, il me faut un peu plus de baisse. Encore un Renko pour du coup un TP2 sur le CAC 40. Je suis passé à 1 mm pour l'instant des 7146,99 nécessaires ici. Vous allez le voir ici. Peut-être pour une sortie automatique partielle. C'est ce que j'aime dans cet assistant aussi. J'ai pas besoin d'aller sortir manuellement de 50%, de 25%, de 75% d'un trade. L'assistant le fait tout seul sur des niveaux que prédéterminés ou que je peux me ajuster comme je vous le montrais ici. Hein. Double clic, je décale. Voilà, ici vous avez vu le TP1 qui a été fait de 9 points. Du coup, je peux me mettre à 9 points derrière, c'est sécurisé aussi. Le CAC 40, il manque plus qu'un Renko sur les 273,99. Ça commence à retracer très très profondément quand même hein, sur le DAX. Donc je suis orienté sur de la baisse FTSE 100 et CAC. Ça change un petit peu, mais je vous fais souvent quand même des exemples hein, dès que je peux sur le CAC et le FTSE. Sophia qui nous dit du coup, je viens d'acheter GU. Du coup, GU. Ça me parle pas. Tu voulais dire quoi ici, Sophia? Jean-Yves qui nous dit, tu parles peut-être d'une action. Jean-Yves qui nous dit bonjour, Jérémy, et à tous et à toutes. Bienvenue à toi, Jean-Yves aussi. Ça fait plaisir que tu sois là. Alors. Du coup, orienté sur de la baisse pour l'instant, en test aussi de la zone des 13850 sur le DAX. De likes, ça fait super plaisir, merci à vous tous. On n'est même pas à la fin de la séance, il nous reste encore pas mal de temps, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Plus que quelques petits points pour ma part pour aller chercher le TP2 pour
que l'assistant, en tout cas, me sorte du coup de manière partielle du TP2 ici sur les 73,99. Un deuxième TP qui ferait très très plaisir hein, sur le foot 600 puisque ça serait 42 points plus bas. Pour ça, il faudra réussir à s'affranchir du point pivot aussi de la zone ici et des 7150. Mais c'est vrai que si on arrive à franchir tout ça, je vais regarder si ça donne quel niveau. Les 7113, j'avais dit. 1113. Du coup, par ici. Pourquoi pas, hein. Ouais, c'est une zone intéressante, les 110 en plus. Mais on est encore dans cette zone un petit peu support. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de respiration si je veux pouvoir exploiter ce scénario-là. Continuer en tout cas de l'exploiter. Lucas qui nous dit du coup, plus je trade, moins je regarde les indicateurs, je me focalise sur le price action et j'ai de meilleurs résultats. Je crois qu'on appelle ça du naked trading. Ouais, c'est vrai. C'est trader sans indicateur en fait. Directement sur le graphique en fait. Donc bien Lucas, ça fait plaisir à lire. Penses-tu que c'est une méthode viable sur le long terme? Oui, pour moi oui, clairement. En fait après si tu veux ça étudier le price action c'est une chose et ensuite du coup placer ton stop, ta gestion de position et tes TP et ta procédure une fois que tu es dans un scénario, c'est encore autre chose. Donc si tu veux c'est plein d'éléments comme ça que tu dois travailler les uns derrière les autres pour arriver sur une solution dynamique qui dure et qui perdure dans le temps. Mais en tout cas, la base étant bien sûr l'interprétation du comportement du prix directement, donc sur le graphique, le price action. Donc déjà, tu es sur la bonne voie et tu vois que déjà ça porte ses fruits. Donc bravo et félicitations Lucas. Premium qui nous dit bonjour Jérémy, le Bitcoin, s'il te plaît, tu penses qu'il va encore pump ce matin? Alors attends, on va voir le Bitcoin, il était du coup. Ouais, voilà, tu vois. Il est dans une zone en fait coincée pour l'instant entre les 39 250 et les 37 500. Du coup, impulsion baissière plus importante. On est en train de retester les derniers sommets, la résistance. Donc, résistance R1. En plus, ma résistance à moi, c'était les 39 250. Juste au-dessus, j'ai un autre niveau important, 39 500. Il y a quand même pas mal d'obstacles pour le moment pour un jump ce matin sur le Bitcoin pour ma part. Tu vois, je préférais peut-être voir ce genre de comportement-là. Tu vois, ça rebondit une première fois, peut-être deux fois, ensuite un break. Ou ça rebondit une fois et ensuite tu as un break. Mais du coup, ça dépend de l'agressivité que tu veux aussi prendre, bien évidemment. On a rien sans rien dans la vie. Donc quand on est agressif, ça peut aussi, du coup, bien être plus compliqué derrière à gérer, quoi. Ça hésite un peu sur le CAC pour l'instant, ça hésite aussi un peu sur le FTSE. Pélietaine qui nous disait bonjour Jérémy, bonjour à tous, passage rapide pour te saluer, bonne journée. Merci beaucoup Pélietaine, ça fait longtemps hein, que t'étais pas passé. J'espère que tout va bien pour toi et merci de passer nous faire un petit coucou. Florent qui nous dit coucou, moi je connais un autre type de naked trading. Excellent. Michel qui nous dit aussi, pour avoir un historique de compte en journalier, en affichage, à part aller nettoyer les fichiers à la main, est-ce qu'il y a un truc? Attends, tu voulais dire un affichage historique en journalier? Si, tu peux aller sur du coup ton terminal, tu vas dans ton historique par exemple du jour, tu fais clic droit et tu fais du coup rapport. Tu as rapport en HTML ou rapport en XLM. Mais du moment, si tu veux que tu es sur une période de ta journée, c'est bon en fait. Là, tu peux mettre tout l'historique, dernier mois, etc. Et période personnalisée, tu choisis par exemple aujourd'hui. Et tu auras que tes trades du jour. Donc comme ça, tu n'as pas à nettoyer ou quoi. Il te sort directement le rapport par rapport à tes trades du jour à toi en fait. Dis-moi si c'est ce que tu voulais, mais je pense que j'ai l'impression que c'est ce que tu voulais ici, Michel. Christophe qui nous disait du coup le Brent pendant ce baissier, j'ai mis mon TP sur les 108.
Alors tout dépend de l'unité de temps qu'on regarde, bien sûr, mais du coup tu dois être sur des unités de temps inférieures pour voir ça. J'espère que ça atteindra ton TP en tout cas, Christophe, et que ça se passera bien. Sophia qui nous dit, Jérémy, j'imagine que tu connais la stratégie de prendre le break de Londres une fois que la session asiatique a cassé après retracement sur le point le plus haut, le point session asiatique, qu'en penses-tu? Oui, clairement, c'est l'Open London ou je sais, Break Out London, un truc comme ça, t'as différents noms. Tu t'en doutes, vu que j'ai beaucoup cherché dans le monde anglophone, je suis tombé dessus aussi, bien sûr, à l'époque, notamment j'étais sur le Forex. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le GBP/USD, je trouve que c'est une paire intéressante. Mais après, c'est une stratégie de breakout. Donc, c'est-à-dire que tu vas exploiter qu'une seule phase de marché. Donc, ça peut être un début, ça peut être une base. Après, comment dire, le souci, j'allais dire, non, c'est voilà, le mot, c'est le dilemme, hein, j'ai envie de dire, du trader de breakout, c'est placer son stop qui soit pas trop loin, qui soit pas pourtant trop près, parce que si le breakout respire, etc., bien, du coup, on peut avoir un scénario qui soit bon, mais un trade perdant, et aussi derrière, tout simplement, la hantise un petit peu d'une fausse cassure, hein, fausse breakout aussi, tu vois. Donc, c'est ça qui va être important à regarder et à faire attention. Moi, je trade des breakouts aussi dans ma méthode, mais c'est pas sur le GBP. Enfin, je peux le trader sur le GBP, mais je ne tiens pas compte, par exemple, du London Breakout, de la cassure du range asiatique, etc. Mais si tu veux, c'est vraiment l'idée de te dire, je trade du coup cet aspect-là, et comment je peux travailler cet aspect-là pour éviter au maximum les inconvénients de trader possiblement les fausses cassures ou d'avoir un stop beaucoup trop grand. Parce que si tu places ton stop sur une stratégie de breakout de l'autre côté du range ou quoi, ça peut faire des stops très très grands et des ratios qui sont pas super intéressants, parce que le marché doit aller beaucoup plus loin pour qu'il soit favorable pour toi, hein, pour que ce trade soit favorable et que ça soit bon en fait. Donc ouais. Voilà par rapport à ça, mais oui, clairement, c'est des stratégies qui sont assez connues et bien répandues, hein. Dis-moi, hein, ce que tu penses en tout cas de ma réponse, si c'est clair pour toi, Sophia. Olivier qui nous est du coup, bonjour, j'ai une petite question concernant la vidéo de trading. Connais-tu d'autres youtubeurs traders? Tu as eu l'occasion de regarder l'une de ces émissions comme dame, merci de ta réponse. Salut Olivier en tout cas. Oui, j'ai connu, alors je ne sais pas si on peut dire des youtubeurs. On va éviter de citer des noms sur cette chaîne YouTube aussi, puisque bah, souvent il y a d'autres brokers aussi derrière, etc. Ou en partenariat avec eux, donc on doit faire attention avec Admiral. Mais pour ceux qui me connaissent, oui, je suis passé sur le plateau télé du coup d'un trader aussi. J'en ai rencontré un ou deux, mais sans plus, j'avoue, j'ai pas rencontré tout le monde, hein, tu vois ce que je veux dire. Bah, ce métier du trading t'amène à pouvoir faire du coup tout ça depuis chez toi. Donc tu vas pas passer partout, bien sûr, à chaque fois. Mais voilà, je peux pas trop citer d'autres noms, tu t'en doutes, puisque du coup il y a souvent des partenariats et d'autres brokers, etc. derrière. Donc ça amène à une publicité indirecte. Donc on fait attention à ça. Zaraki qui nous disait, est-ce que tu peux parler de la stratégie de breakout de Sophia, de breakout London? Alors très simple, on n'a pas besoin de rentrer dans le détail, hein. Tu pourras retrouver beaucoup de contenu sur Internet, puisque c'est une stratégie qui est très connu aussi. Tu peux aller, alors selon les unités de temps que tu veux travailler, si tu veux, tu as la séance asiatique, donc c'est clairement durant la nuit, tu regardes le range. Alors là, soit dit en passant, hein, c'est aussi des stratégies que vous pouvez retrouver pour trader d'autres paires forex que le GBPUSD. Vous pouvez trader GBP/JPY avec ça, etc. C'est basé sur l'open de Londres, donc à 9 h le matin. Pardon, la devise en tout cas, la livre sterling permet d'étudier ces actifs-là, mais vous pouvez aussi le faire sur d'autres paires forex, hein. Il y en a qui le font sur l'euro-dollar, il y en a qui le font sur d'autres paires, puisque en fin de compte, l'idée c'est d'exploiter la cassure du range asiatique. Ça veut dire que les actifs européens, c'est pour ça que je vous parle de l'euro-dollar par exemple, les actifs européens derrière arrivent, du coup, ils sont en fait arrivent avec plus de volume et commencent à être traités et tradés, ce qui va susciter ben, la sortie d'un range qui a pu se faire pendant la nuit. Donc là, par exemple, si tu veux, on est sur le GBPUSD en 15 minutes, tu vois que pendant la nuit, ce qui s'est passé, tu vois que tu es descendu comme ça, tu as consolidé, hop, et tu as breaké. Donc après, comment tu évalues? Parce qu'il y en a qui vont l'évaluer en timing, c'est-à-dire qu'ils vont toujours te prendre, par exemple, cette zone-là et te dire, bon, s'il y a un break par le haut, s'il y a un break par le bas. Il y en a qui vont s'arrêter au dernier comportement du marché,
proche de l'Open, puisque ici c'est 9h15, donc on a breaké à 8h15 heure de Paris avant l'Open, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont toujours en attente de London Break ici ce matin, puisqu'on n'a pas breaké en fait, donc ça peut souligner qu'on est dans un range. Tu vois, tu peux te découler sur pas mal de choses. L'idée de base, c'est vraiment ta séance asiatique. Est-ce qu'on a cassé par le haut ou par le bas, proche de l'Open en fait? Attends, je regarde en même temps ce qui se passe. Ça, c'est mon CAC 40 pour l'instant qui corrige. Ouais, si on remonte un petit peu trop. Je veux sortir, de toute façon, ça fera du 10 points pour du 6 points derrière. Donc, hop, c'est protégé. Qu'est-ce qu'on a ici? On a aussi un footissant qui a du mal. Un petit rebond, c'est vrai. J'ai désactivé le DAX qui me paraissait quand même retracer bien, bien, bien profondément. Mais pour l'instant, on va protéger en tout cas sur le CAC 40, quoi qu'il arrive, sur le FTSE 100 aussi. Mais c'est vrai que si on arrive à partir sous les 150 du FTSE 100, il y a des choses à faire en direction des 115 notamment. Allez, encore quelques millimètres et on aura eu les trois premières bougies en direction de 906 sur le DAX pour un rebond sur une zone des du coup 13 850. On va expliquer comment cela se passe. Merci Jérémy. Oui, c'est clair, je prends trade seulement quand le range asiatique du coup est serré, donc petit stop. Nous disait Sophia. Voilà, donc ça c'est bien aussi. Après, il te faudrait idéalement Sophia, alors peut-être que tu l'as, mais du coup une procédure pour te dire voilà à partir de combien de points ou combien de du coup de distance entre ma borne haute et ma borne basse, je considère tout le temps en fait hein, que le range est trop grand, que le range est trop petit, et là tu tombes un peu plus déjà dans du systématique, tu vois, comme ça tu te poses moins de questions, tu as moins d'hésitation en fait à prendre tes trades aussi. Sofiane, pardon, qui nous dit le problème de notre métier est le capital à trader. Oui, clairement, clairement. C'est pour ça que j'ai, enfin, je vais pas trop en parler puisque c'est pas directement lié à Admiral, mais c'est pour ça que moi par exemple, si j'ai aussi développé une méthode pour pouvoir, en fait, démarrer au bon moment en étant un peu plus agressif sur un petit capital et ensuite faire une réduction de risque au fur et à mesure que je grandis mon capital. Tu vois, par exemple, à l'heure actuelle, j'ai fait un compte comme ça à 100, du coup, à 1837 de tête. Voilà, c'est 1837, je suis monté rapidement en 2 semaines à peu près à 2500, quasiment 2600. Mais ça demande une prise de risque plus importante et un rythme comme ça, si on le fait bien, parce que c'est bien pensé qu'on a en fait derrière, il y a quoi? C'est une stratégie qui n'est pas liée à la stratégie trading, c'est une stratégie derrière de gestion du risque et de money management en fait que tu mets en place. Mais pour ça, bien sûr, ben voilà, il faut avoir testé pas mal de choses, faut avoir retourné ce dilemme dans tous les sens pour bien y penser. Et ensuite, comme ça, on fait croître le capital. Après, il faut aussi à ce dilemme, j'en profite parce que c'est très important ce que tu soulignes, Sofiane, c'est que j'en profite pour dire qu'à ce dilemme, il faut rajouter la notion de temps. Si on se laisse un petit peu de temps aussi, moi par exemple, voilà, mon capital à 1837, je sais qu'il ne va pas être à 10 000 dans 3 semaines, tu vois. Mais je me laisse un petit peu de temps. Mais si je fais bien les choses et je me concentre sur le process, ça y viendra, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas se concentrer. C'est souvent le souci de l'être humain, c'est qu'on va se concentrer directement sur l'argent, alors qu'au final, il faut être focus sur le process. Si on fait bien notre activité de trader, l'argent sera une conséquence et en découlera. Et plus on fait bien son activité de trader, plus on gagnera d'argent derrière. Donc c'est focus sur l'activité, non l'argent. On part d'un petit capital selon les méthodes qu'on a, les stratégies qu'on a pour démarrer. Parce que moi, si tu veux, c'est une stratégie money management et gestion du risque que j'ai développée pour passer d'un compte de démonstration à un compte réel. Et je l'utilise en fait ensuite dans également l'évolution de mon compte. Donc c'est des méthodes qui te permettent en fait d'aller plus vite et sans pour autant prendre un risque inconsidérable et risquer de cramer le compte parce que bon, c'est pas une chose qui est souhaitable. Je l'ai déjà fait dans le passé, dans mes débuts. J'ai pas envie de recommencer, si tu vois ce que je veux dire. Donc, capital, oui, surtout comment on va trader ce capital et ensuite la notion de temps qui va être super important. Sophia qui nous disait, et parfois, du coup, je prends l'inverse en haut de la séance éthique, je vends et inversement, du coup, quand ça ne break pas, donc. Oui, donc tu joues le scénario, en fait, ça te permet, Sophia, de voir soit un scénario de break, et du coup, le début d'une tendance, soit le scénario de range. Donc, top ici, top, Sophia, j'espère que ça se passe bien pour toi. Systématise le plus possible et tu auras d'autant plus confiance dans ton approche. Playlist qui nous disait, bonjour, GBP USD, cassure à la hausse. Pas encore, pas encore. Hein. Tu vois ici, le GBP USD, il est vraiment face à ses 1,3050. D'ailleurs, je vais regarder ce qui se passe aussi sur j'ai pas été le voir depuis tout à l'heure. Tu vois, pour moi, on est encore sous une pression vendeuse, sous une tendance du coup baissière dominante.
Donc pour l'instant, il faut d'autant plus réussir à casser déjà les 1,30-50, mais pour moi, il faudra aussi réussir à retourner cette tendance. Hein. Donc pour l'instant, compliqué face à la résistance. Ça respire un peu sur le CAC, sur le FTSE, ça a du mal à partir, ça monte, allez, ici, tac, si j'avais laissé l'assistant par exemple, hop, sur le millimètre là, il aurait pris encore 50% sur un TP1. J'ai désactivé, étant aussi un focus bien sûr sur le CAC et le FTSE 600, et du coup en attente de voir si on n'allait pas repartir aussi sous les 13 850. Au final, le rebond se fait pour l'instant. Zaraki, merci Jérémy, je t'en prie Zaraki. Et Lucas qui nous disait, du coup, tu as déjà cramé un compte dans tes premières années, combien as-tu perdu? Oui, alors je faisais quand même attention, tu vois, j'étais encore étudiant en école de commerce à l'époque, et du coup j'ai cramé deux comptes à 500 à peu près, c'était 480 et 500 et quelques. Donc deux comptes réels que j'ai cramé à cette époque-là. J'avais déjà fait un peu de démo avant, du coup je voulais aussi voir bien sûr ce que ça faisait en conditions réelles. C'est tester en fait certaines choses, voir l'émotion, la réaction qu'on a dans des conditions différentes. Et c'est là où j'ai compris en fait que le seul moyen déjà d'éviter de perdre de l'argent dans notre phase d'apprentissage, c'était de se mettre sur compte démonstration, mais de se convaincre qu'on était déjà en réel. Et c'est ce que j'ai fait après ça. Et après ça, bah, du coup, j'ai commencé à déjà arrêter aussi au bout d'un moment, comme je vous disais, j'ai arrêté de perdre, mais je gagnais autant que ce que je perdais, en fait. Et ça, c'était déjà aussi en phase démo. Et du coup, après cette phase-là, j'ai commencé à créer le décalage. Et là, je me suis mis justement en condition du coup réel et j'ai arrêté en fait de perdre. Donc j'ai pas perdu beaucoup dans mon apprentissage à titre de compte. Comment dire? Je suis en train de voir le CAC ici, je suis sorti à zéro, je suis toujours dans le FTSE. Hop, je vous montre ici. Alors pas zéro, hein, j'ai fait 3 points de bénéf hein, sur ce petit mouvement-là. Je suis toujours dans le FTSE en attendant de voir si on peut casser les 150. C'est là où de toute façon le risk reward est le plus intéressant. Clairement, parce que à l'heure actuelle, je ne risque plus que 50% de ma position sur du 10 points pour un risk reward, du coup, sur 42 points en fait, pour encore 50%. Et le reste de ma position stop suiveur, du coup, bah, on va voir si on y arrive. Mais quelle heure il est? Ouais, il est 9h52. Je vais vous faire le récap de marché bientôt aussi. Donc, je pense pas qu'on voit du coup l'issue de ce trade-là. Je le couperai hein, sur cette fin de séance ensemble, parce que je trouve pas, je vois pas d'intérêt à le laisser courir si vous n'êtes pas là pour voir l'issue avec moi. Soufia qui me dit du coup non ça se passe pas mal parce que j'ai pas de ah pardon non ça se passe mal, ah désolé de l'apprendre Soufia, tu nous disais parce que j'ai pas de discipline, mais merci, je vais tâcher de construire une stratégie plus systématique, tu m'as encouragé, top Soufia, top, c'est clair hein, ça va te faire du bien, ça va te faire du bien. Moi ça m'a fait un bien fou quand j'ai commencé à me dire attends, je vais au lieu de faire du discrétionnaire, c'est-à-dire de jouer un petit peu l'opportunité du mouvement, me dire oui là il y a un truc à faire, le scénario non il est haussier, je vais trouver n'importe quelle excuse et je vais y aller. Je grossis bien sûr les traits, hein, on peut faire du trading discrétionnaire de manière qualitative et comme il faut, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Pourquoi? Parce que ça demande plus de discipline, ça demande plus d'expérience. Quand on est un trader débutant, on n'est pas discipliné, on n'a pas d'expérience. Donc à partir de là, le systématique parle énormément et du coup nous aide énormément. Et plus on tombe dans ce monde un peu du trading systématique, donc avec ce qui va avec, hein, c'est du trading semi-automatique derrière, et plus on y voit tous les avantages. Et ça veut dire tellement d'avantages que même moi, une fois que bah, du coup j'ai géré ça, bah, j'y vois plus d'intérêt à part vraiment plus tard sur un compte qui ne sera pas important et qui me permettra pas de vivre ou quoi. Peut-être faire du discrétionnaire pour profiter de grosses opportunités ou quoi, mais clairement ce sera pas la base parce que monter en puissance, c'est-à-dire monter en risque aussi et faire des choses importantes sur ces capitaux, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus réalisable si on le fait de manière systématique. Parce qu'on a une base, on a un système qu'on suit à la lettre, qui nous sécurise et qui nous prouve que ça marche dans le temps. Et c'est pour ça que voilà, j'y vois tous les avantages du monde. Donc très content, Soufia, de t'avoir encouragé à faire ça. Et ben, n'hésite pas si tu as des questions. En tout cas, playlist, du coup, s'il vous plaît, merci, je démarre. Du coup, bonjour. Ouais, pas de souci, Playlist. Bah, tu vois, ici, en fait, on a une résistance. Donc, la résistance, c'est un niveau obstacle au-dessus, pardon, du prix du coup actuel. Donc, c'est la ligne rouge que tu retrouves ici, les 1,3050, qui a été testée plusieurs fois dans le passé et pas encore cassée récemment. Donc, tu vois que ça bloque, ça bloque, ça bloque. Et du coup, le principe, c'est qu'une fois cassée, cette zone-là, du coup, doit théoriquement passer support. Donc c'est là où il y en a qui vont être agressifs, ils vont jouer la cassure avec une clôture de bougie, il y en a qui vont attendre le retracement avec aussi une formation d'un chandelier, un signal, il y en a qui vont se baser sur des indicateurs, bref, plein de choses comme ça. Je suis toujours initié
Sur le FTSE, ça se passe plutôt bien en direction des 142. J'aimerais un petit peu plus de baisse. Hein. Vous voyez le ratio qui est super intéressant de 1 pour 4 hein, sur ce qui reste de cette position. Donc j'espère que ça va pouvoir continuer, qu'on voit ça ensemble. Mais le marché, du coup, je pense qu'il va attendre 10 heures maintenant pour se relancer un petit peu. En tout cas, on va se refaire un point marché ensemble puisqu'on arrive sur cette fin de séance. Il est déjà 9h55. Alors, ce matin, ce qu'on a eu pour l'instant sur le DAX, c'est plutôt un scénario 13 850, direction potentielle des 14 000. Il n'a pas été sur le seuil des 14 000, on s'est arrêté sur les 966,93. Donc, c'est plutôt ce scénario haussier là qui a fonctionné ce matin. Donc ici, pour le moment, on est toujours dans cette phase. Attention, si jamais on réintègre sous le niveau des 13 850 pour un scénario test du creux précédent, point pivot notamment 13 650. Sinon, maintien et poursuite du scénario aussi en cours sur l'AR1 du jour et notamment les 14 000. Sur le CAC 40, à l'heure actuelle, ce qui se passe, du coup, c'est qu'on serait possiblement, si on arrive à s'affranchir des 6 300 et la zone support S1 ici, dans un scénario de comblement de gap, possible. On a bien rejeté la résistance des 6 350, on travaille beaucoup ici les 6 300 en tentative de partir vers le bas. Donc moi j'ai eu un scénario où j'ai fait 3 petits points ou 4 petits points sur le CAC, j'ai sécurisé pas mal de fois hein, sur le DAX, donc sorti à 0, et je suis dans un scénario maintenant désormais gagnant quoi qu'il arrive sur le FTSE 100. Mais ici, c'est vrai que du moment qu'on arrive à s'extirper un petit peu des 6 300, on aura un comblement de gap possible en direction donc des clôtures d'hier et ensuite les creux précédents et notamment les 6 150 points. Si ça se tient, attention à un retour déjà des 6 350, voire un break pour repartir à la hausse ici. On n'avait pas mis les points pivots, voilà. On a aussi ce point pivot du jour avec la zone support S1 qui bloque un petit peu pour l'instant les négociations sur le CAC 40. Du côté FTSE 100, du coup, je suis en attente du coup du break. Je suis déjà initié ici, déjà protégé. Donc ça, c'est bien parce que c'est là où on a des risk reward là, du coup, très très intéressants qui peuvent se mettre en place. C'est un risque aussi, donc il faut le gérer. Il faut faire les choses de manière adéquate. Rejet en tout cas des 7 200. On est dans le scénario donc rejet pour breaker possiblement à la fois déjà les 7 150, le point pivot du jour, et la zone support S1 mensuel également. Test du creux précédent autour des 110 justement, c'est ce que j'aimerais voir en direction notamment des 7 050. Si ça se maintient, attention bien sûr, trading en range, hein. Là c'est aussi la borne basse de cette petite zone dans laquelle on négocie, et à ce moment-là, rebond. Mais pour l'instant, c'est en train de vouloir descendre. Je vous montre ici hein, clairement ce qui se passe sur l'équivalent 5 minutes pour ma part. Après un double top ici, on est reparti sur une tendance baissière, et du coup j'ai pu trouver un petit point d'entrée rapide et gérer déjà cette opportunité-là. Côté S&P 500, rejet pour l'instant aussi d'une résistance 4 240. Donc direction et test déjà fait hein, du niveau médian de la zone et notamment possiblement jusqu'à la borne basse. Cet après-midi, en cas de cassure, on fera attention à être en accord un petit peu peut-être pour titre de sécurité avec ce point pivot du jour. Du côté du dos, eh bien, on n'a même pas su faire le test vraiment de la résistance. On s'arrête et on est en pleine hésitation autour du point pivot du jour. Donc trading en range jusqu'à preuve du contraire. Attention au break, comme je vous le disais ce matin, borne haute et borne basse. Du Nasdaq 100 en consolidation, c'est également ce qu'on a ici sur un graphique horaire. Attention au 13 275 par le bas pour une résistance sur les 13 425 par le haut. Donc, trading en range, breakout ici comme d'habitude. Attention juste au point pivot du jour rapidement et ici au creux précédent par le bas. Du côté du gold, on a fini par casser par le bas et on est en train de tenter la cassure confirmée des 1970. Pour l'instant, sur le gold, ça descend. Vous voyez, j'ai même oublié que j'avais un scénario en place qui a déjà fait son TP1 ici pour du 2,2 $ l'once d'or. TP2 d'ailleurs, il faudrait la bougie suivante. Il faudrait juste cette bougie-là sur les 1966-60. Déjà sécurisé. Bon, de toute façon, c'est notre fin de séance. 6,58, j'ai déjà clôturé ici. Donc, sur un petit scénario de baisse, 2,2 et 2,8 $ l'once d'or du coup de sortie. Je pense même que je vais sortir aussi là. Bah, du coup, pour un TP2 et TP1, TP2 équivalent en fait sur du coup ici ce FTSE 100 sur cette fin de séance. Donc voilà, en fait, on est en tentative de casser les 1970 $ l'once d'or. Attention à la zone support S1 et au creux précédent rapide ici. Sur un marché qui avait très très bien monté et qui a besoin de respirer, donc un breakout baissier possible. Attention, en cas de maintien, fausse cassure, retour, point pivot au niveau médian, borne haute avec résistance notamment comme étant celle des 1990 $ l'once d'or. Du côté du pétrole, attention, une zone support maintenue pour l'instant, la zone support S1 du jour avec les 109,50, trading en range à l'intérieur de la zone, on a le point pivot juste au-dessus et la R2 mensuelle avec notamment les 114,50. Donc trading en range dans la zone, attention au break baissier, au break haussier avec les niveaux correspondants.
Du côté de l'euro-dollar, ça monte ici pour l'instant. On a breaké le point pivot et notamment la résistance des 1,0950. Alors on va aller voir depuis le graphique horaire ce que ça donnait. Voilà, c'est ce double creux dont je vous avais parlé. Cassure par ici, mais attention au point pivot et à la résistance en plein travaux. Mais scénario de cette figure chartiste, double creux qui est en cours pour rechercher idéalement même hein, les 1,0970 en ligne de mire pour l'instant, du moment qu'on arrive à se maintenir. S'il faut se cassure, attention réintégration et trading en range jusqu'à preuve du contraire dans la zone entre les 1,0950 et les 1,0900. Du côté de la livre sterling, toujours l'obstacle résistance qui marque ici les esprits ce matin. Donc on n'arrive pas à casser le sommet précédent. On est revenu depuis les 1,3025 jusqu'au 1,3050 et on rejette la résistance pour l'instant. Donc attention à un prochain test des 1,3025 possiblement. Et si on hésite un petit peu comme ça, qu'on repart, attention, on a des obstacles proches. Point pivot du jour, zone support S2 cassé mensuel. Donc voilà pour le petit point. Côté Bitcoin, rapidement, je vous le disais depuis tout à l'heure, la résistance R1 du jour et les 39 250 qui font toujours bel et bien obstacle à l'heure actuelle depuis le retest et rebond, surtout depuis le test, pardon, et rebond du support des 37 500. Voilà pour ce petit récap de marché pour le reste de votre journée. On va se retrouver avec plaisir dès demain matin à 8h30, 10h comme d'habitude. Je vais juste finir avec les commentaires du chat. Ici, on est déjà à 117 likes. Un grand plaisir de démarrer cette semaine avec vous. Et merci à vous tous pour ces likes aussi et le partage. Allez, je reviens sur le chat rapidement. Du coup, Michel qui nous dit bonne journée. Merci Jérémy pour ta réponse avec des likes. Je t'en prie, Michel, avec plaisir. Premium qui nous dit du coup, j'hésite. Du coup, ATP, lol, j'ai le dip. T'as eu le dip sur le Bitcoin en soirée. Je suis à 2 600 $ de bénéf. Alors, Premium, ici, que te dit ta stratégie? Est-ce que tu es censé sortir? Est-ce que tu es censé tenir? Si tu n'as pas la réponse à cet élément-là, en effet, tu as de quoi te poser la question pour l'instant. Est-ce que tu sors peut-être pas en partiel? Donc, tes 2 600 peuvent du coup être divisés par deux parce que tu retire justement 1300 et tu laisses 1300 sur le marché, tu vois ce que je veux dire? Mais la prochaine fois, en tout cas, il faut que tu aies ce genre d'élément de réponse pour pouvoir prendre ta décision sans regret. Parce qu'imagine là maintenant ça pète ou ça se retourne, tu pourrais avoir des regrets selon la décision que tu prends. Maximilien qui nous dit du coup, session terminée pour moi, 166 points sur le CAC ce matin. Bravo, bravo à toi sur Futur, tu nous disais Maximilien, félicitations. Playlist qui nous disait CAC 40, du coup, il est monté plutôt à l'inverse. Comment voir ma tendance? On veut apprendre, merci en tout cas. Je te donne la tendance Playlist dans ces séances, mais je vous parle aussi des tendances fonction de la théorie, d'eau fonction de certains principes, cassure, zone support et résistance. Donc tu vois clairement qu'à l'heure actuelle, on se maintient vis-à-vis d'une zone support des 6300. Ça ne m'a pas empêché de prendre quelques points à la baisse. Il y avait un potentiel de baisse en cas de cassure, mais tu vois, tu vas toujours marcher en fonction de scénario. S'il se passe ça, je fais ça. S'il se passe ça, je fais ça. S'il se passe ça, ça se trouve, je fais rien. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça donne de la confiance de te suivre. Merci beaucoup, Maximilien. Ça fait plaisir et bravo pour ton score, Maximilien, qui nous dit merci à toi. Du coup, Jérémy Zaraki qui nous disait aussi ici. Merci encore pour le live, Jérémy. Bonne journée à tous. Bonne journée, Jérémy, à toi aussi. Merci beaucoup, Zaraki. Très très bonne journée. Playlist qui nous dit du coup, j'ai l'impression que le cours va toujours chercher les SL. Alors, plusieurs raisons possibles à ça, ils sont trop près, ils sont mal placés aussi, attention, puisque si tu veux, si tu étudies bien ton trading et comment tu fais les choses, tu peux faire en sorte que la plupart du temps, ce soit déjà ton TP1 qui soit atteint. Philippe qui nous dit merci, bonne journée, mais je te rassure, hein, Playlist au départ, c'était pareil pour moi, j'avais l'impression de toujours rentrer au mauvais moment, le marché se retournait, parce que du coup, on rentrait trop tard sur des indicateurs, des choses comme ça dès le départ, donc attention. FTSE, c'est lequel sur MT4? C'est le FTSE, il s'appelle comme ça, c'est FTSE 100 également. Sophia, tu dis merci beaucoup Jérémy, bonne journée à toi aussi Sophia, avec grand plaisir. Et du coup, c'est bien passé, vite le live, bonne journée et trade safe, nous disait Florian. Oui, c'est clair quand... Ça passe vite quand on s'amuse, j'ai envie de dire. Très bonne journée à toi aussi, très safe également. Sylvie qui nous dit merci Jérémy, bonne journée à toi aussi Sylvie. Jean-Yves qui nous dit aussi bonne journée à toutes et à tous, merci à toi aussi. Du coup Jean-Yves, Philippe aussi qui nous dit merci, bonne journée à toi aussi. Macozy également, hein. Avec plaisir Macozy. Sofiane qui nous dit merci pour tes conseils Jérémy, je t'en prie, avec plaisir Sofiane. Antonio qui nous dit 240 points, tout confondu, achat et vente, bravo, 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 très très beau score. Frédéric qui nous dit aussi merci à toi et bonne journée à toi aussi, et bonne journée nous disait du coup aussi Antonio avec des likes. Merci pour les 122 likes, merci à vous tous, je vous souhaite à tous bien sûr une excellente journée, un très très bon trading, je vous dis à demain matin, 8h30, 10h comme chaque jour. C'est bon mon ange.